Un coin de la Grand Place, fin des années 50. C'est fou ce que l'on peut trouver d'intéressant et surtout d'émouvant en fouillant dans de vieux albums photos. Ce cliché doit avoir été pris vers la fin des années 50 sur la Grand Place des Caussines. On y remarque le magasin CGA pour comptoir général d'approvisionnement, un commerce de détail d'alimentation. Selon l'auteur patoisan et caussinois Marcel Paulet, le magasin en question se trouvait des années 30 à 50 dans le haut de la rue Maurice Canon et était géré par Raoul Cambi et son épouse. Dans les années 50, le CGA s'est installé dans le bas de la rue. Toujours d'après Marcel Paulet, le magasin qui était niché auparavant s'appelait Au Gaspillage et était tenu par Yvonne Dujacquier. Comme son nom ne l'indique pas, la boutique était spécialisée dans la mode féminine et le textile plus généralement. Tout en bas de la rue, le fils de Madame Dujacquier, Jules Michel, gérait un magasin et une salle d'exposition en chauffage et sanitaire.